Nous sommes à Moscou, où Barack Obama est venu rencontrer le président Medvedev. Son but étant de rétablir des liens entre les deux pays qui ont les mêmes intérêts. Il a rendu visite aux étudiants de la nouvelle école d'économie. Je crois que sur les questions fondamentales qui prendront forme durant ce siècle, Américains et Russes partagent les intérêts communs qui forment une base pour la coopération. Il a ensuite discuté tour à tour avec notre président actuel, puis il a rencontré notre ancien président Gorbatchev et enfin notre premier ministre Poutine. Durant son discours, tous les élèves l'écoutaient attentivement. Pendant ce temps, Michelle Obama, sa femme, était à l'orphelinat Saint-Dimitri, où elle a reçu une poupée russe. Regardez vers l'avenir qui peut être construit si nous refusons d'être chargés par les vieux obstacles et les vieux soupçons. Regardez vers l'avenir qui peut être construit si nous établissons un partenariat pour le compte des aspirations que nous avons en commun. Il a enfin signé un accord avec notre président. Les deux pays ont donc déposé une gerbe de fleurs.